vous allez choisir votre four selon différentes fonctions qui permettront d'obtenir différents résultats. D'abord, la convection naturelle, c'est la fonction de base de tous les fours où la résistance qui est en bas et la résistance qui est en haut vont fonctionner en même temps pour cuire les aliments. Ensuite, on a la fonction chaleur tournante, où là, on a un ventilateur qui sera placé à l'intérieur de la cavité, qui va permettre de brasser l'air. Donc l'avantage, c'est quoi? C'est une cuisson plus homogène, et puis surtout, c'est la possibilité de préparer deux plats en même temps, sans mélange d'odeur et de saveur. Ensuite, on a la fonction turbo, qui est un véritable accélérateur de montée en température, qui va permettre, par exemple, de saisir tout ce qui est viande ou rôti, et d'avoir à l'intérieur un résultat moelleux et juteux. La fonction pâtisserie aussi, qui comme son nom l'indique, sera idéale pour cuire des quiches, des tartes, etc. Où là, on a la résistance du bas qui sera associée avec le ventilateur. Où là, on aura une cuisson homogène, mais surtout une pâte parfaitement cuite, même pour des préparations très juteuses comme des tartes aux fruits par exemple. On a aussi la fonction grill, où la seule résistance du haut va griller ou dorer les préparations pour préparer par exemple des gratins dauphinois. La fonction décongélation, qui grâce en fait au seul ventilateur, va permettre de décongeler en douceur et de façon naturelle tout type d'aliment. On a aussi la fonction tournebroche, et ça c'est l'accessoire indispensable pour rôtir différentes pièces de viande comme le gigot, les rôtis, et on va en fait cuire sur toutes les faces de la pièce de viande. Alors un critère important, c'est la capacité. Par contre, il ne faut pas se fier au litrage qui est souvent indiqué, mais plutôt se référer aux tailles de plat et vérifier que son plat préféré du dimanche rentre bien dans le four qu'on veut acheter. Alors pour le nettoyage, vous pouvez vérifier que les résistances du haut et les résistances du bas sont rabattables, ce qui permet de passer facilement un coup d'éponge dans votre four pour le nettoyer. Ensuite, on a des fours dits par catalyse, auto-nettoyants par catalyse, où là, en fait, le revêtement des parois va absorber les graisses pour limiter le nettoyage en fin de cuisson. Et puis enfin, un autre critère pour faciliter le nettoyage, c'est l'éclairage à l'intérieur du four pour voir et vérifier que vous avez bien tout nettoyé. Autre critère de choix, la puissance, qui va traduire la vitesse de chauffe de votre four. Idéalement, choisissez un four supérieur à 1000 watts. Et puis pour la puissance du grill, on va varier entre 750 et 1500 watts. Là aussi, tout est question de vitesse de chauffe. Alors il existe deux types de fours, mécaniques ou électroniques. Les fours mécaniques permettront une utilisation simplifiée avec des boutons. Les fours électroniques permettront d'accéder à d'autres options, comme par exemple le départ différé de cuisson. Il y a d'autres caractéristiques pour choisir son four, par exemple le minuteur qui permet un temps de cuisson précis et qui vous indique par un signal sonore quand la cuisson est terminée. Il y a aussi le départ différé qui vous permet de lancer vos cuissons quand vous le souhaitez. Et puis on a aussi des systèmes de recettes préprogrammés où là le four va vous aider à choisir la température et le temps de cuisson idéal en fonction de la préparation que vous allez faire. Auchan.